Bonjour à tous, c'est Oli Tinois. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Mystery Pack Tsum Tsum. Aujourd'hui, on va ouvrir la série 6 avec 5 Mystery Pack. Alors, dans cette série, vous avez Christophe et Porcinet de Winnie l'ourson. Vous avez La Belle et la Bête, vous avez Lady, vous avez Anna, vous avez Grincheux, Maléfice, vous avez Randall, Nick Wilde, Jafar et le Capitaine Crochet. Alors, dans cette série, ceux que j'aimerais avoir le plus, forcément Maléfice, depuis que dans une précédente ouverture, j'ai ouvert Maléfice en dragon, qui est juste mon Tsum Tsum préféré, je le trouve magnifique. Je voudrais l'avoir dans sa version humaine. Et puis sinon, après, pourquoi pas La Belle et la Bête. Mais sinon, voilà, je suis pas, il y a pas de personnage dont je suis particulièrement fan. J'ai pas encore le petit guide collector, donc à l'ouverture du premier Mystery Pack, on le récupérera puis on regardera les nouveaux Tsum Tsum de cette série 6. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier. Alors, il est plutôt plat, il y a un grand truc plat. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça va être La Belle et la Bête? Peut-être. Alors, le premier, je l'ouvre proprement. Alors, attention. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Belle, de La Belle et la Bête. On va récupérer le petit guide collector. Donc, on va commencer par le guide. Alors, donc, le voilà. Donc, là, les nouveaux vont être. J'en vois pas. Ah si, La Belle et la Bête, Bagheera, de ce côté-là, c'est tout. Après, bien évidemment, Dingo est plutôt en black and white. Et au dos, après, on a les éditions limitées qui sont pailletées. Pour information, j'ai acheté un énorme lot d'environ 250 Tsum Tsum, où il va y avoir pas mal de pailletés. Donc, je vous montrerai ça dès que je les recevrai. Ça devrait pas tarder, j'espère, d'ici quelques jours. Sinon, ouais, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. S'il y a la méchante reine, aussi, j'avais pas vu de Blanche-Neige et Christophe. Christopher de Winnie, Madame Samovar de La Belle et la Bête, et puis Maléfice en version humaine. Ça en fait 6 nouveautés, plus bien évidemment tous les Sparkles et là les Black and White. Bon, alors on va regarder La Belle et la Bête. Donc là, bon, je suis plutôt content parce que je les trouve sympas. Après, j'espère avoir l'autre moitié. Parce qu'il faut dire ce qui est, ça fait tout si on a les deux. Donc, on va commencer par Belle, avec ses petits yeux, ses pommettes rouges, sa petite robe. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Et là, après, donc on voit, les deux côtés sont les mêmes. Voilà. Donc, on va les mettre au fond. Voilà, allez, on s'en ouvre un deuxième. Alors celui-là a l'air un petit peu plus gros. Peut-être la tête de mort du Capitaine Crochet, je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah ben non, c'est Grincheux. Grincheux de Blanche-Neige. Alors, je crois pas avoir déjà eu des nains en Tsum Tsum. Alors, Grincheux. Ou s'il met en petit. Je dois avoir des petits. Bon, il est plutôt basique. Il a l'air plutôt basique. Ouais, pas de détails de fou. Après, bon, il est sympa, hein. Avec son petit diamant. Et puis, la charrette, assez emblématique de. Hop là. Donc, ça se met là. La charrette emblématique de Blanche-Neige. Oui, tient pas super bien. Bon, c'est pas grave. Hop là, on va le mettre comme ça. Allez, on ouvre le troisième. Alors, le troisième, il a une forme vraiment bizarre. On va bien voir. Alors, qu'est-ce que ça va être? Attention, attention, attention. Ah, donc Nick Wilde de Zootopia. Avec son stand de glace. Je sais, vous avez forcément vu le dessin animé où au début il fait fondre des glaces énormes pour les revendre.
à des petits personnages. Donc, voilà comment il est. Oui, oh, avec le petit sourire en coin, on le reconnaît bien. On le reconnaît bien. Le petit pantalon, la chemise. Ah, la cravate. La cravate qu'il a dans le film. Et après, oh, bon, ça n'a pas l'air super solide tout ça. Ouais, c'est pas bon, c'est pas un accessoire de fou, hein. Je vous le cache pas. Bon, ça, voilà, ça va bien avec le dessin animé, mais après, c'est pas la folie. Celui-là est un poil plus gros, et après, on en a un autre. Alors, à mon avis, on n'a pas l'autre moitié, hein. La Belle et la Bête, ça, je sais pas ce que ça va être. Peut-être Jafar. Allez, on va ouvrir celui-là. Attention, attention, attention. Alors, qui... Ah, bah, c'est Ellie de la Belle et Clochard avec le plat de spaghetti. Oh, elle a l'air toute mignonne. Oh, oui, elle est toute mignonne. On dirait un bébé Lady avec la petite queue en touffe. C'est rigolo. Voilà. Et le plat de spaghetti. Emblématique pareil, hein, du dessin animé, tout le monde l'a vu. Bon allez, normalement j'espère pas avoir de double. On ouvre le dernier pack. Alors, qu'est-ce que ça va être? Donc pas de double, donc c'est bien ça, c'est Jafar. Alors Jafar, je sais pas trop comment est l'accessoire, à quoi il sert, j'ai pas trop regardé. On va sortir tout ça. Bon, le petit scarabée du début. Alors, Jafar. Jafar, il est stylé. Hein. On le reconnaît bien avec la petite barbiche. Bon, au dos, il n'y a rien. Hop là. Ouais, il est bien sympa. Et ensuite, alors, comment ça se passe? Comment il est le truc de Jafar? Je vais vous l'ouvrir hors. Je vais vous le monter, pardon, hors caméra. J'arrive. Donc voilà l'accessoire. Alors je sais pas trop ce que ça représente. Je vous cache pas. On dirait de la magie, comme oui, de la magie ou de la lave ou je sais pas. En tous les cas, Jafar, comme souvent, c'est le cas. Il tient pas forcément dessus. C'est plutôt bancal. C'est pas très. Là, il est vraiment vers l'arrière. Bon. Écoutez, je trouve pas exceptionnel. Après, bon, je suis un peu déçu de pas avoir eu la bête. Ça aurait été sympa d'avoir la belle et la bête. Surtout que, comme vous voyez, là, voilà. Ça n'a aucun intérêt sans l'autre moitié. Après, ouais, si on a l'autre moitié, on peut mettre un Tsum là, un autre ici. Enfin, c'est sympa. Écoutez, peut-être que je le récupérerai dans une autre ouverture. Mais sinon, voilà, pas une ouverture de fou, mais j'ai pas de double, ce qui est déjà vachement important. Et puis après, malgré tout, ils sont plutôt mignons. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle ouverture. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu et à me dire quel est votre personnage préféré de la série. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.